Alors est-ce que l'on m'entend? Qu'est-ce qu'on entend, Edgy? Alors est-ce que l'on m'entend? Qu'est-ce qu'on entend, Edgy? Alors est-ce que l'on m'entend? Non mais parle, Edgy, que je sache si on t'entend. Ah pardon, Non mais mais je parle, sais Edgy. pas, tu dis pas Est-ce tout qu'on t'entend? aussi. Bonsoir, Ah bonsoir tout le pardon, monde, mais bonsoir bon. Nico, Adas, Didumel. Ah merde, bonsoir à tous. Il ne s'est rien passé à partir de 21h15 la semaine dernière. Non, rien, moi On reprend je vois directement pas. là où on s'était arrêté, hein, vraiment. Je Voilà, il n'y vois a pas pas du du tout tout de de. quoi. Non, il y a rien du tout. Il n'y a pas eu du tout de triche ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai perdu le contrôle de ma souris. C'est bon, ça va mieux. Voilà. Donc, par contre, on va pas aller tout de suite vers la fin du jeu. Ah bon? On va aller récupérer un objet qui nous manquait. Ah, la carte! Oui, bah oui, la carte. On est... La carte magnétique, c'est vrai. Et T'imagines c'est pour comme ça on aurait. qu'on s'est. Ah, franchement, on aurait galéré, on Mais serait retrouvés t'imagines comme comment des on aurait cons eu dans la l'air con? porte. Comment on aurait l'air con si on avait Oh plongé et qu'on n'avait pas eu la carte? Hein, qu'on serait là retrouvé dans la là. porte et qu'on n'aurait pas pu finir le jeu alors qu'on avait prévu de le faire? Ouais. Ah ouais, tu Ah, m'étonnes. qu'est-ce qu'on Là, se serait senti bête? franchement, on aurait été très cons. Puis t'imagines, en plus, avec pas de bol, le souterrain pour nous y mener serait inondé, Bah, immergé. t'imagines? Eh, genre le gars que t'as oublié de recharger ton bonbon d'air. Imagine ça soit nous soit arrivé. On serait vraiment passé pour des cons. Hein. Alors là. Là, franchement, ouais, pas moi quand même. Oh, Non, attends, ah, t'es ouais, pas Edgy. attends. Pas Attends, Edgy. on a de l'expérience, ouais, on a du métier quand même, Quand c'est pas même, la on se fait première pas fois dans atteindre The comme des, Forest. voire comme des noobs là, c'est bon, s'il vous plaît. Attends, hein? Bon, alors, elle est où cette carte magnétique là? Bah, j'en ai pas la moindre idée, putain. Du coup, j'ai pas regardé. Par contre, j'ai faim. Est-ce que t'as de la viande ou des sneakers sur toi? Ah, ce serait con, Turnip, qu'on crève de faim. Bah non, mais sinon il y a deux mecs à buter, je vais les découper, je vais les manger, mais. Oui, bah on va les buter, on va les bouffer. Attends, Même attends, si mais. ta santé mentale, je pense que ça va pas fort. Je suis à 0%. Meilleure flèche de l'histoire. Oh bien! Touch! Il bouge pas beaucoup, Mais je sais pas viser, moi. Oh, c'est bon, il est Oh, en plein mort. dans le fondement. Oh! Oh, mais c'est les flèches de l'amour quand même. Allez, headshot, c'est mignon quand même. J'avais dit que lui, j'allais le découper un peu pour le manger. Oh! Bah, moi aussi, tiens. Coupe bien cette hache, hein. Moi aussi, on va découper 2-3 trucs. Allez, un bon petit cuisson là! Voilà! Non, tu veux pas me donner ta cuisse? Parce que moi j'aimerais bien quand même. 0% de Ah! santé mentale, tire dans les pierres. Bah oui, c'est ça. On a vu ce que ça fait la santé mentale. C'est clairement dû à une mécanique du jeu, hein, si j'ai tiré dans la pierre. C'est pas du tout fait dû au fait que je suis une grosse bouse. Hein. C'est clairement le fait que j'ai. J'ai entendu de l'eau. Entendu de l'eau? Non. Non, mais j'ai entendu un plouf. Je pensais. Entendu un plouf? Je crois que j'ai un petit syndrome de la guerre du Golfe là Ah qui. oui! Ah, viens, j'entends de l'eau, Turnip, j'entends de la noyade, le manque d'oxygène. Que je vais pouvoir manger cette jambe. Ah, oh, ça me remplit bien cette jambe. C'est dégueulasse comme phrase. Ah, C'est très Didoumel très laisse sans plus là dégueulasse. sur le chat. Oh, ce fils. Attention, Didoumel, hein, je. Regarde. Ça va aller, t'as pas trop chaud là? Allez, on va les faire Écoute, cuire ces fessiers. elle a le droit de s'éclater, de mater du popotin. Regarde-moi ce popotin là. Un vrai cul enflammé. Attends, je vais récupérer un bras parce que j'ai encore un peu faim. Ah ben, dis-moi de toute façon, Tornet, puis il aime bien la part du roi. T'as coupé bien haut avec ta hache. Je crois que j'ai cassé le feu, hein, c'est ça, j'ai fait ça. Des fois, c'est un peu fatigant d'être moi. Ah, ouais. Ouais, ça doit pas Ah être merde, facile, dis-moi que t'as deux facile. bouts de bois, Jean. Deux bouts de bois. Vive toi. Oui, oui. Hey, tant pis pour la santé mentale. Ça se Oh trouve, c'est à pauvre. cause de ça qu'on peut devenir. Qu'on peut ne pas réussir à sauver Tini, ça se trouve, ça devient complètement zinzin. Ah, je sais plus exactement ce que font, comment on fait les deux fins. Je pense à la fin qu'on connaît déjà, sauf qu'elle a un peu changé. Et il y en a une autre. Je sais plus en quoi elle consiste. Je me demande si c'est pas juste à la fin quand on choisit ou non de faire cracher un avion ou pas. C'est pas ça là. Je me rappelle même plus celle-là. Non Mais plus. Bah, si, tu sais, bon. à la fin du jeu, remémore-toi, il y a 3 ans.
Oula, déjà je sais pas ce que j'ai fait hier. Bon, bah mange cette jambe déjà. Je sais ce que tu vas faire maintenant. Ah, ça oui, ça c'est bon. Donc, il faut trouver la carte magnétique. Et pour se trouver cette carte magnétique, nous allons faire appel à notre Wikipédia du chat, modèle réduit. Oui. C'est ton moment. Modèle réduit, je t'invoque. Nous t'invoquons, modèle réduit. Le wiki du The Forest. Timmy va avoir 145 ans, il s'est marié avec une sauvage jaune, avoir fondé sa famille et être devenu chef du village. Salut papa! Salut! Ça fait un moment que je t'attends. Non, encore pire. Salut grand-père. Attendez, c'est des trucs là. Ah, merci modèle réduit. Dans une grotte. Ah! Allez, wiki déconne ce soir. Il doit y avoir des petites interférences. Alors vous êtes positif que je ne l'ai pas la carte hein, d'ailleurs. Parce que peut-être que je ne la vois pas. Non, mais il me semble qu'elle serait vers le sac à dos. Normalement, c'est au sac à dos hein, qu'il y a la carte. Donc elle est dans une grottasse. Ok. Bah, une grotte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on remonte là? Dans tous les cas, on est baisé. Mais non, mais on repasse par la caverne sans déconner. Oui, on repasse par la caverne, bien sûr. Mais Ah! la caverne, je sais pas si tu te remembers, mais il y avait un bon paquet de cordes à monter. Oui, bah tant pis, on va monter les cordes, parce que si on essaie de le faire à l'arrache là, on l'a déjà fait une fois, je le Et ça sais, nous a pris mais 3 heures. ça nous a pris 3 ans, mais. Grotte numéro 5, d'après mes souvenirs de la semaine dernière. Ah bon? Ah bon? Je crois qu'elle essaie de nous troller. Dis-donc, on a vu les fessiers, on l'a perdu en même temps. Qu'est-ce que putain, j'ai oublié qu'il faisait tout noir dans ce jeu. Putain, mais il y a une sonnette, je l'ai. Mais c'est Ah peut-être oui, dans j'avais cette mis grotte une là. Attends, cloche. attends, 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 j'ai une carte. Ma carte. C'est la Vas-y, carte. regarde la carte. Je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on n'a pas explorés, mais. Regarde. Oui, mais on va pas re-re-explorer une corde, une corde. Une grotte qu'on a déjà explorée, si? Bah, c'est possible, tu sais, ça arrive hein, qu'on rate des trucs dans les grottes. Nous, jamais. Ça nous est arrivé plus d'une fois. Salut, nous, David, bonsoir. Salut, New Devil. Pourquoi la porte s'est plus ouverte qu'avant? Mais non, mais c'est dès que tu passes, la porte elle s'ouvre. Elle m'a mis un petit stress. Elle est automatique, la porte, elle est semi-automatique. Incroyable, un détecteur de mouvement. Oh, c'était vachement en avance, les mecs. Bon, bah, on a plus qu'à sprinter jusqu'à la sortie de cette grotte. Ça va être passionnant encore cette histoire. Sprint simulation spéléo. Attends. Quoi? Il faut qu'on aille dans l'eau là. Dans l'eau là? Ouais, là, c'est dégueulasse, mais. Non, mais il n'y a pas besoin de plonger, c'est ça? Non, Non, je crois qu'il faut juste traverser. il n'y a pas besoin de rebreather, c'est bon. Bien dans la grotte 5 au milieu du charnier. Au milieu du charnier, la grotte 5. Tu veux dire une C'est grotte quoi avec le. un charnier? Il y en a quelques-unes quand même, ça décrit beaucoup de grottes de ce jeu. C'est-à-dire grotte 5. Putain, les gars, vous connaissez le numéro de toutes les grottes? Il n'y a pas marqué grotte, il y a marqué Dead Cave, il y a marqué Sink Cave, il y a marqué Cave. Là, il y a marqué Rv, et là, il y a marqué Bmerged Cave. Je dirais Submerged Cave, peut-être. On n'a pas un feu de camp, apparemment, sur lequel je pourrais me réchauffer, parce que là, j'ai un peu froid. Je semblais que si, mais. Mais il était là, l'entrée. Bah, il est plus. Tu veux que je fasse un petit feu de camp? Ouais, non, parce qu'on va sûrement se. Ouais, si, vas-y. Oh putain. Il ça, C'est dans l'eau là, ça passe, ça j'ai jamais volé. Je vais pas mettre ça dans l'eau là! C'est la grotte à proximité des containers. Ah, est-ce que c'est les containers qui sont près de la plage? Ah, finalement, pas loin de là, je pense, si je regarde sur ma carte, qui est pas la bonne carte du coup. Je peux pas allumer ce Parce qu'il est truc. dans l'eau, ça m'a fait la même chose la semaine dernière. Mais non, il n'est pas dans l'eau rien du tout là. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux pas, genre, me réchauffer avec ma propre pisse? Avec ma propre torche. Oui, ça va te réchauffer, mais pas longtemps. Voilà, doucement quand même avec toi. Ah, si, ça me réchauffe, ça me. Ah oui, si je me mets à côté de toi, ça me réchauffe aussi. Ah, ben voilà, on est bien. Toi, tu te rends compte? Les cannibales, ils sont cassés le cul et à remettre les palissades quand même. Ouais, j'avoue, c'est déroutant.
Mais il y a des sneakers là. On est jamais venu ici en fait surtout. Mais si, on est déjà venu ici. Mais si. Ah ouais. Ouais, on est ici. Ah ouais. Bon, de toute façon, on va bien finir par trouver une sortie. Dès qu'on monte, dès qu'on peut monter, on monte et puis on réussira bien à retrouver notre chemin aussi après quoi. Et normalement, ça devrait bien se passer. De toute façon, t'as une carte. Ouais, mais bon, tu sais. Oui, enfin, tu sais, c'est pas très précis une carte. J'ai une carte. Selon où tu te trouves, ça change tout, hein. Ah là, j'ai trouvé les cordes. Yes. Est-ce que vous voulez les plans du deltaplane? Mais bien sûr. Mais, non mais alors, et c'est très intéressant d'avoir un deltaplane dans la mesure où on veut peut-être redescendre de la grotte. Donc j'imagine que le deltaplane, à la manière d'un Zelda Breath of the Wild. Tiens, une bonbonne de Rebreather, Edgy. Dans une vie parallèle, je me dis que tu aurais peut-être besoin de ça. je sais pas pourquoi, je sens que tu en as besoin. Si à la manière d'un Breath of the Wild, on peut descendre dans le trou de la... Dans le trou de la grotte, là. Dans le grand trou. Sans avoir à se retaper les grottes, à mon avis. C'est plutôt cool. Après, ça dépend, parce qu'est-ce que c'est à côté de la grotte 5 ou est-ce qu'il faut aller à perpète, quoi. Ouais, mais après... Parce que si tous les soirs vous promet les deux fins, mais finalement, à chaque fois on se dit finalement on va récupérer un autre objet. Mais on optimise après finalement. C'est pas grave, même si on fait après un épisode de plus. Ouais. Et les gens ils veulent du spectacle. Les gens ils veulent voir le Delta Plane, je pense. Je pense que les gens veulent le voir. Le peuple réclame le deltaplane, dit Didi Doumel, représentante du peuple. Nous vous avons compris. Promettons un deltaplane. Les plans du deltaplane sont dans une grotte sous-marine, entre des îles en face des containers échoués. Bah, tout est au même endroit, mais non. Oh, bah, c'est pas génial alors. C'est pas fantastique ça. Bref, j'avais la possibilité de planter mon piolet dans toi. Non, mais abstiens-toi. Si tu vois ce que je veux dire. C'est sexuel ça, non? Hop là. Moi je me demande bien ce qui va se passer ce soir. Enfin, ce que tu vas faire, surtout qui va nous faire rire ce soir. Parce que... Donc t'as un petit palmarès là. Ah, j'ai... L'autre live dont t'avais bien, détruit la grotte. Là t'avais détruit la cathédrale. J'ai l'impression que tu prépares un gag pour chaque fin de soirée. Mais c'est vrai. Je suis devenu un professionnel, mon gars. Il y a eu le coup de la cathédrale qui était quand même d'un potentiel comique assez incroyable. Oui. Il y a eu le petit lapsus généré par un bug audio, mais qui était quand même assez inattendu aussi. Ben, et donc, c'est vrai que la semaine dernière, non, il s'est rien passé, vu qu'on a repris la sauvegarde. Non, il s'est rien passé la semaine dernière. Non, mais je sais pas, c'est mon côté artiste qui parle. En même temps, t'as avoué la dernière fois devant tous les viewers, et ils en sont témoins, et c'est toi qui avais fait exprès déjà de scier cet arbre pour finalement que ça fasse péter la cathédrale. C'est quoi ces trucs? C'est des cadavres? Ah, c'est des cadavres, ça me faisait flipper, j'aurais dit une witch de Left 4 Dead. Ne change pas de sujet. Non, mais j'ai vraiment eu peur. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je savais que Tornip, il fait hyper bien la witch. Dans Left 4 Dead. C'est bien la route, non mais... Ah, ça j'ai trouvé, c'est... Oh, j'ai récupéré un podomètre. On n'a pas été ici, hein. C'est pas grave, on va se vêtir de cette créature. Bon, de toute façon, on va la tuer à l'arc, hein, on sait faire maintenant. Je ouais, t'attends. Elle sait faire aussi, hein. Non. On peut mettre des headshots à ces créatures pourries? La tuer? Bah elle est morte. Bon, bah j'ai eu le temps de lui placer deux flèches et puis... Il y a son petit boyfriend qui est juste là. Ah, un petit boyfriend? Ah ouais... Ah il est colère quoi. Ah il est... Mais il s'est... Ah non, non. La tristesse l'envahit là. C'est genre... Mais il m'a mis une flèche? Mais... Et le gars il m'a mis une flèche? Je l'ai raté, mais l'envie y était. Mais arrête de courir là, Vin Diesel, calme-toi. Oh, mais on a mis un plat à la bouche.
Oh mec, il t'a mis un petit taquet et il est reparti. Je vais lui balancer cette balle de tennis. Peut-être qu'il est joueur. Allez. Vas-y, envoie la balle. Oh, plein dans sa bouche. Oh. Oh bah, headshot. Headshot dans la tête. Enfin, dans l'arrière de la tête. Bah, c'est-à-dire qu'il y a un headshot dans la main, ça ne devrait pas un headshot. Un headshot. Oh non, là, headshot dans le torse. Ah, headshot dans l'épaule. Ça va pas de nous déposer un canapé juste à côté de moi comme ça? Non, ça fait super mais... peur. C'est mon côté chat qui revient, j'aime bien t'apporter les cadavres de mes ennemis. Et ils sont perdus les mecs quand même. Oh ouais, merde hein. Moi je vais les découper bichette là. Les découper et... Je vais mais découper aïe. Bichette. Je vais être deux fois plus flippant. Voilà. Voilà, hein. Salut Thierryk. Ouh. Et bienvenue sur ce live. Salut Thierryk. Alors. Donc là on est bien. Mais t'arrives au bon moment Thierryk, on va cramer des gens. Qu'est-ce que tu fais notre... Jane exactement là? Mais j'ai été dépecer Brigitte. Ah c'est vrai que je... T'as bien fait. Est-ce que t'as ta laque pour cramer ces gens? Ou pas? Oui, j'ai. Enfin, ceci dit, le petit problème, c'est que j'ai même pas assez de tissu pour... Ah, bon, mauvaise nouvelle, j'ai plus de lac. Ah, bah moi j'ai plus de... J'ai pas de quoi me faire... Je pensais qu'il secouait la laque, mais... Il a secoué et jeté. Ah. Mais j'ai plus de plumes non plus, mais c'est la zermine dans ce pays, là. Ah, mais c'est indien que dans les grottes, on n'a pas vu beaucoup d'oiseaux, quoi. C'est vrai que ça fait un moment qu'on se balade dans les grottes. Ah mais... Qu'est-ce qu'on peut faire avec un os? On peut faire une lance en os. Tiens, mais le mec il... Toto, il y a que moi ou toi aussi tu vois tous les tennisman là? Ah non mais je les vois aussi les tennisman. Tiens mais parce que... Bon déjà si j'étais seul à les voir, bah j'ai un esprit un peu bizarre. Je vois des tennisman mais... morts avec des balles de tennis dans l'estomac. Ouh du tissu. Mais en fait moi je pense qu'on a tué des mecs qui étaient en train de vouloir faire une partie de tennis en fait. C'est pour ça qu'ils étaient en train de... Vas-y, envoie la balle. Bon, par contre, visiblement, vu ce qu'ils ont fait au cadavre, ils savent pas à quoi ça, une raquette. Oh, d'ailleurs, tu peux récupérer la raquette de tennis. Ah bah ça... Ah, peut-être que je peux s'en servir pour renvoyer les balles enflammées, les gars, non? C'est rigolo, ça. Ah, ça pourrait être drôle. Par contre, tu peux pas porter une balle et une raquette, ça a l'air trop compliqué pour le personnel. Putain, pour la première fois de ma vie, je suis full armure, mon gars. Oh, putain. Vas-y, envoie-moi une balle, pour voir si je peux te renvoyer en smash, là. Ok, c'est parti. Attention, 3, 2, 1... Un, top. C'est raté, vas-y recommence. J'étais pas loin, je l'ai senti, j'étais pas loin. Vas-y. Bah ma bouche. La chatte. On dirait deux débiles qui jouent, qui a aucun réflexe ni l'un ni l'autre. T'as plein d'os là du coup. C'est... Bah ouais non mais je suis déjà full os mais j'ai pas un pet de tissu donc. Et t'en as pas récupéré dans les... J'ai récupéré des tenues, mais... Dans les valises? Non, oui. Un petit peu, ouais. J'ai 11 encas, mais c'est bon, on est trop bien, là. 11 encas? Ah, tu vas faire tourner des encas, mon gars. Parce que moi, j'ai peanuts, pozzot, dada... Mais c'est possible, t'en as pas pris tout à l'heure? Mais non, moi, ils étaient pas affichés chez moi. Je peux en mettre qu'un dans ma gamelle, ça va être chiant, ça va être long. Tiens, prends chaque enca. Voilà, merci. Mais normalement, avec cet enca-là, je devrais me mettre bien. Mais ouais, tu vas prendre un deuxième. Allez, toi mange un deuxième s'il te plaît, hein. Tu sortiras pas de table tant que t'auras pas mangé de sneakers. Putain, on dirait les grand-mères quoi. Mais t'as vu, il est tout meg. Vas-y, mais mange. Moi, ouais, tout meg. J'ai vraiment une raquette quoi. D'accord, mais. Ok. Eh bien, continuons notre aventure. Tu vomis aussi dans les chaussures de Tarnip? Non, je suis vomi directement dans la bouche. Pourquoi perdre. Il me vomit directement sur les pieds. Pourquoi perdre du temps à. Pourquoi tu veux que je me fasse chier? Attends. Par contre, j'adore chier dans ces godasses. Ça va. Par contre, c'est. Ah, ça se mange sans fin. Et donc, en fait, ici, il y avait juste des mecs, quoi. Donc, on s'est perdu. Mais. Non, on a récupéré une raquette aussi. Alors, ça dit donc, ça valait le coup, alors ça. C'est vraiment ce qui manquait à notre arsenal de arcs, de flèches, de lances, d'épées. T'es sûr qu'on est jamais venu? Bah, non, parce que franchement, on n'avait jamais eu la raquette. Mais tiens, viens voir. Attends, il y a des tissus là-dessus. Quoi?
C'est pas toi qui l'a posé ce feu de camp, on est d'accord? Ah non, mais des fois il y a des feux de camp qui sont pas à nous. Et alors lui là, bah, il avait peut-être froid. Parce que ça doit. Ouais, ça doit. Ouais, ça doit. Oui. Oui, c'est le froid glacial de la mort, mais là il aurait pu se mettre à côté du feu, ça aurait pas changé grand chose. Hein. Ah, du kérosène! Ça c'est bon pour moi ça. J'aime le kérosène. Là, t'as des balises, là, je passe ta prise qu'il y a dedans. Yes, là c'est bon. Non, je les avais pas vus, merci beaucoup. Donc merci, on s'est perdu, beaucoup, moi. Ouais. Bah, comme d'habitude en fait. Si on peut sortir par là, ce serait bien quand même, non? Attends, attends, écoute, je peux suivre la carte et je vois une sortie qu'on ne connaît pas par là-bas. Donc on va y aller, tout simplement. Oh, sneakers! Si je comprends comment on fait pour l'atteindre, parce qu'à mon avis, on est sur plusieurs niveaux différents. Ah, il faudrait monter. Donc, il faudrait trouver une corde. Eh bien, il y en a une juste là. Eh bien, elle est de l'autre côté. Oh, tiens, attends. Donc, on l'atteint, cette descend. Truc-là. En fait, il faut récupérer la corde qui est juste à gauche, là, tu la vois? Oui, je la vois, mais elle est loin. Je pense qu'il faut descendre. De toute façon, on est obligé. Ouais, ouais. Ah oui, non, mais en fait, il fallait juste... Oui, non, d'accord. En fait, la corde, elle était... Chaque fois, il me fait chier, mais en fait, si tu fais shift et bas, en fait, tu glisses comme dans un tuyau. Enfin, comme sur un tuyau de pompier, pardon. C'est très clair ce que je viens de dire. J'ai compris ce que t'as dit. Ah. Dans un tuyau. Je glisse souvent dans des tuyaux, on a perdu le chiffre. Ouais. Donc là on remonte. Hop là, ok. Tout à fait. Ça va prendre 3 points. Si tu maintiens le chiffre, tu vas plus vite, mais comme tu t'essouffles au bout de 3 secondes. Bah si tu fais boire un coca dans la montée, avant tu peux pas ouvrir ton inventaire. Ah, mais le modèle réduit, après ça peut être aussi une séance de tennis qui a très mal tourné aussi, hein. Ou qui a bien tourné en fonction des goûts de chacun. Voilà, c'est ça. Ou sinon, les mecs, ils étaient en pleine séance SM, ils se sont dit, on fait une pause tennis, ouais, allez, vas-y. Et du coup, quand ils ont repris la séance SM derrière, ils ont mélangé les outils entre le tennis et le. C'est ça. Vas-y, tu aimes goûter ça. C'est une raquette, oui, vas-y. Mais non, mais alors bon. Tu m'as tué là. Je pense qu'il est un peu tôt pour faire ce bruitage. Et que 21h40, on attendra encore une petite heure et puis on les fera. Coupez-moi ça, les gars. Coupez-moi ce bruit délicieux. Je vais le proposer à Audiolib. On va se faire ban. Non. Mais non. C'est bon, il y a pire hein, sur Twitch. Ouais, Twitch, ils peuvent pas se passer des revenus qu'on leur procure. Ouais. Si, des notes, carrément, mais par contre, tout ce qui tourne. Ah, ils n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte, Twitch, hein, c'est nous ban. Tout ce qui tourne autour du cul, ça va être méchant, hein, Twitch, il se régale quand même. Donc, Oh là là, attention. Non, mais je veux dire. Lance pas des polémiques comme ça. Non, mais ce que je veux dire, suite. Attends. Parce que là, il attends. Nous écoute. Il y a Monsieur Twitch, là, il écoute. Monsieur Twitch. Cher oh, Twitch. Monsieur Twitch, c'est inacceptable. Ah, mais qu'est-ce que vous dites qu'on vend du cul? Mais c'est n'importe quoi. Le colonel Moutarde avec le chandelier. Qu'est-ce qu'il vous prend, Monsieur Twitch? Non mais tout ça pour dire qu'avec tout ce qui se passe, les hot tubes, etc., les trucs affriolants, machin, ça sent quand même qu'ils vont lancer une catégorie adulte à ces quatre. Ça sent, il y a une demande, il y a une offre et il y a de la demande. Ah ouais, je veux dire, au bout d'un moment, oui non mais c'est une catégorie, t'es pas obligé d'y aller si ça t'intéresse. Ah bah je me sentirais obligé moi. Non, ah non mais moi là je suis obligé là hein. Ah zut. C'était quoi le dernier scandale là? C'était la nana qui. Enfin, une actrice porno qui est sur Twitch, qui fait normalement des jeux vidéo, je crois. Et de toute façon, toutes les nanas qui font du porno font des jeux vidéo d'abord, simplement sur Twitch. Et elle m'y met une fellation avec une glace. Ah, bah oui. Alors, du coup, ça a coincé. Je crois qu'elle s'est fait battre. Pas vu la vidéo, mais ça se trouve, moi je mange mes glaces pareil aussi, donc on sait pas, peut-être un accident bête. Ouais, bah vu le bruitage que tu nous as fait, tu manges pareil tes glaces.
Je pense que peut-être même t'as plus de profession que la dame. Moi je les mange en une seule fois les glaces. Voilà, hop et là. Je les mâche pas. C'était un gobeur de flamby mon gars. Il a fait des... Ah, j'ai failli m'étouffer en le faisant une fois ça. Je me souviens c'était en... d'être au lycée ou je sais pas quoi à la cantine. Je fais, hey, les gars, vous savez gober des flambis? Eh ben j'ai gobé un peu trop fort. Ouais, je craque là, je lâche tout là. Oh putain. Eh ben on est sorti mine de rien. Ouais, et finalement raconter des conneries ça fait sortir plus vite. Hein. Donc c'est la grotte près des containers. Alors, déjà on n'est pas du tout au bon endroit pour les containers. Bah ils sont là-bas, là-bas, faut aller vers là-bas. Bah, je sais pas, j'ai un peu trop de... j'ai un peu trop de clipping. Enfin je veux dire, pardon, j'ai les yeux embrouillés. Il y a bien une sur YouTube qui a montré ses seins et qui a juste été démonétisée. YouTube, bah YouTube... Sur YouTube, bah, sur YouTube, ouais. Non mais je veux dire, de toute façon, visiblement, il y a des gens, ça fait kiffer de faire ce genre de choses. Il y a des gens, ça fait kiffer de les voir. Attends, mais démonétiser, c'est pas bien grave en vrai. Hein. C'est démonétiser, c'est juste dire que bon, bah, il y a pas d'annonceur qui voudra être accolé à ce genre de contenu-là. Mais attends, sur YouTube, si, c'est hyper chiant. Oui, c'est hyper chiant. Mais ça veut pas dire que ça, c'est contre les règles de YouTube. C'est juste dire que c'est contre les règles qui te permettent d'être monétisé sur YouTube. Parce que moi, forcément, moi je suis, je sais pas, je suis joué club, bah, j'ai pas trop envie que ma pub elle passe à côté d'une nana qui monte ses miches. Ça dépend si tu vises les grands enfants. Ça peut être jouable. Jouer club, 300 magasins, coquin. Ah, joli. Alors, il me semble que les containers ils sont par là-bas. Ah, ou un oiseau. Et sur Twitch, Amourante, oui, je crois que c'est ça son nom, de Nana qui s'est fait connaître. Le mec qui fait genre, ouais, je crois que c'est ça son nom, ouais, c'est ça. C'est ça, qui s'est envolé grâce au hot tube. Elle avait été démonétisée sur Twitch, mais ça, du coup, c'est pas grave du tout, parce qu'elle perçoit quand même les primes, elle perçoit tout, quoi, en fait, hormis les pubs. Ah oui, bah, c'est pas les publicités, bah oui. Mais ouais, c'est tout. Oui, mais en fait, tout ce qui touche à la publicité, en fait, c'est... Les annonceurs ils veulent pas forcément être accolés à certains contenus donc c'est normal. Ah bah non, c'est dommage. Bon voilà quoi. Tiens, ça fait longtemps qu'on a pas vu la lumière du jour dans ce jeu, tiens. Allez, vraiment l'extérieur, la plage et tout ça. Oh bah si tu te fais chier, on peut reparler d'Amourante, Edgy, non? Ah, il parle plus. D'accord. Et il n'y a plus rien à dire. Non, mais pardon, si, j'essaie de me reconcentrer. Ce truc. On change de sujet, moi, ça m'intéresse plus, il répond pas le gars. Non, mais ça me fait chier. J'arrête de parler. Alors, grotte submergée. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, du coup, elle doit être sous l'eau. Entre des îles, ah oui. Ah oui, d'accord, faut y entrer. Directement en plongeant. Mais ça sent pas le piège à con, l'histoire, avec les requins, tout ça. Je sens que Modèle Réduit, il s'est dit, tiens, il va pas repenser à remettre sa bonbonne, on va lui faire une bonne blague. Je vais lui faire croire que l'île, elle est... Je vois pas pourquoi ça m'arriverait, hein, ça m'est jamais arrivé. Non, c'est vrai, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Voilà. Entre des... Allez. Il vous faut le radeau. On avait un radeau quelque part, là, à un moment donné. Pourquoi le radeau? Moi j'y suis déjà, je suis déjà sur l'une des îles. Et où es-tu? Je suis passé par l'eau. Alors, mais c'est peut-être pas forcément. C'est peut-être des îles qui sont plus loin, non? Qu'est-ce que t'en dis, Modèle Réduit? Qu'est-ce que t'en penses? C'est des étoiles de mer là, je pouvais pas les manger peut-être? Ça se mange des étoiles de mer? Mais quand t'es vraiment chien, tu me fous les étoiles de mer. Hein. C'est vraiment chien, je peux dire. Tout ce qui passe. De mer, les oursins. Les palmipèdes. Je veux pas qu'on se rende compte quand t'es en chien d'autre chose. Parce que là, tu me parles de bouffe, ça a l'air de bien se passer, mais... Ah! Il me faut un bâton de dynamite! Tu veux l'allumer? Voilà. Non, pas toi! Mais non! Non! Bon, tant pis.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Oh, ouh, ça a tout cassé. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas une grotte. Ah non, c'est... Ah, le pistolet, pièce de pistolet, des balles, tout ça. Oh, j'ai trouvé deux carreaux d'arbalète dans l'eau, dis donc. C'est vrai? Ouais, je te jure. Là. Oh, non. Il y en a d'autres, là. Bah voilà, je... Eh, oh, vous vous souvenez de là? En plus, en vrai, on s'en sert jamais des carreaux d'arbalète. Ah non, on a notre arc. Oui, alors que c'est hyper pratique, quand même. On l'utilisera contre la boss de fin, tiens, l'arbalète. On verra si on cheese pas un peu le jeu comme ça. J'essaie de récupérer des plumes. Bon, du coup, on a une autre pièce de flingue. Donc, du coup, tu penses que c'est celle qui est là-bas? De toute façon, il reste plus que ça. J'ai fait les deux et j'ai pas vu de... À moins que ce soit autour.